Ok, ça marche. Bien, bonjour à tout le monde. Je fais mes petits réglages avant de commencer. Salut Cyril, salut Cindy. Déjà échauffé, je viens de faire un cours de Zumba. Ah, yes, cours de hier. Nickel. Je vais tout régler. Alors pour ceux qui arrivent, qui n'auraient pas vu la petite notif, on va avoir besoin d'une chaise. Salut Cathy. Merci, c'est gentil. Et comment... Si vous n'avez pas de chaise, alors moi je suis dehors, j'ai les salles de jardin, au pire ça peut nous servir. Quelque chose qui est en hauteur. Bon, il faut quelque chose en hauteur. Tac. Ça c'est bon, ça fonctionne. Salut Emilie. Tac, je vais juste vérifier si vous me voyez bien, j'ai reculé un petit peu. Tac. Ça va être pas mal, je pense. Bon, salut à tout le monde. Ça continue à se connecter. J'attends que tout le monde se connecte. Bon, je pense que ça va être bon. J'ai dirigé la caméra un peu plus vers le bas, vu qu'on aura pas mal de choses au sol. Merci Cyril. Merci Emilie. Bon, je voulais pas que ça se sache de trop, mais apparemment, c'est parti. C'est mon avis. Bon, tac. Bon, j'espère que ça va depuis hier pour ceux qui ont suivi la Zumba ou depuis lundi pour les autres. Pas mardi, les autres. Merci Morgane, merci Sonia. Merci Anne-Claude. Donc, on va se retrouver aujourd'hui pour un cours de cuisse abdo-fessier, d'accord? Donc, on aura besoin, pour ceux qui viennent de se connecter, je le disais tout à l'heure, on avait besoin d'une chaise ou d'un fauteuil. Tu vois, moi j'ai pris le fauteuil de salon de jardin vu qu'il est dehors. Et c'est tout, un tapis, hein, bien entendu, qu'on fera les abdos, ça sera mieux. Pour les cuisses et les fessiers, on utilisera donc une chaise ou n'importe ce que vous avez à proximité de vous, ok? Bon, j'attends une petite minute ou deux que tout le monde se connecte. Il fait très très chaud, hein, ça y est, c'est parti. L'été est parti. Hein. Bon, nickel. Mince. Salut Ludo, merci, c'est sympa. J'ai reculé un peu, je suis en plein soleil. Ouais, on va aller de bord en même temps, je pense, c'est ça. Tac. Salut Jérôme, merci, merci tout le monde, c'est gentil. Bon, ça continue à se connecter, j'attends encore une petite minute que tout le monde se connecte. Et puis après on va pouvoir y aller gentiment. Donc on va s'échauffer, on va utiliser quasiment toute la séance la chaise, d'accord? On va l'utiliser comme support, ok? Alors pas pour s'asseoir dessus, bien entendu. Ça va être pour bosser les cuisses. Et les fessiers surtout, d'accord? Et puis après, on aura une partie abdos. On utilisera aussi la chaise pour bosser les abdos, d'ailleurs. Ça va être assez sympa. Salut Valérie, salut Nathalie, merci. Ça fait quoi d'avoir 40 ans? Salut, je vous remercie. Non, pas encore 40 ans. Non, non, je suis encore dans ma trentaine, ça va. J'ai encore le temps avant la quarantaine. Salut Nicole. Bon, salut Pauline. Ça va tout le monde? Bon, nickel. Ça continue à se connecter encore. Allez, je regarde juste. Puis dans le 32, bon, ça va encore le temps. Yep. Bon, et ben on va commencer par l'échauffement. Petit échauffement en musique. Si vous m'entendez mal, parce que là, bon, je suis près de l'écran, donc vous m'entendez bien normalement. Si vous m'entendez mal, vous n'hésitez pas à me dire. Je parlerai plus fort, je vous montre un peu le micro. Pareil pour le son de la musique. D'accord? N'hésitez pas à mettre des petit message, super, salut, c'est Manuela je pense qui s'est connectée, salut Céline, merci pour mon anniversaire, salut Cécile, salut Clovis, merci, merci. Bon, allez c'est parti, ça chauffe, tant que les derniers arrivent gentiment, allez go.
C'est bon tout le monde? Je vais me reculer un petit peu. Allez, c'est parti. C'est bon? On va partir en talon-fesse. Tranquille. Allez, c'est parti. On va alterner talon-fesse droite et talon-fesse gauche. C'est bon? Allez, tranquille. Tu vas à ton rythme. C'est bon? Et moi, je vais monter les genoux classiques avec le coude opposé. C'est bon? Je vais faire un tout petit peu lenti. Hop là. Salut Gwen, salut Mélina. Merci au passage. Tac. Ça vous aime bien me voir? C'est bon? Toujours les genoux. Parfait. C'est bon? Tranquille. Bien, super. Et on reprend les talons fesses. On tend les bras ici devant. Voilà, allonge les bras. On va y aller doucement avec la chaleur qu'il fait. Je ne pense pas que vous voulez quand même. C'est bon? On lève les bras vers le haut. Allez, vers le haut. Ça monte, ça descend. Toujours les talons fesses. C'est bon pour tout le monde? Parfait, super. On va enchaîner avec deux genoux à suivre à droite et deux genoux à gauche. Regarde. 1, 2, 1, 2 à droite. 1, 2 à gauche. 1, 2 dernière. 2 à droite, 2 à gauche. On ouvre les jambes largeur de bassin et on descend avec les squats. D'accord, donc les squats, je vous montre de profil. C'est bon? Les fesses bien en arrière. On peut les garder soit les bras devant, tu vois, soit plutôt les mains sur les hanches. Comme tu préfères, tu remontes ton dos à droite. Encore. Une, c'est bien. Deux, allez, on y va. Trois, encore. Quatre, continue. Cinq, bien. Six, deux, sept. Et huit, ici, tu restes sur les cuisses. On fait des tout petits mouvements, regarde. C'est bon? Descendez, regarde. Donc ça chauffe les cuisses. Descends, descends, descends. Allez, tranquille, encore. Continue, continue. Ça va pour tout le monde? Allez, moi je continue gentiment et je trottine sur place, ok? Tu trottines, un petit poulet, c'est bon? Allez, tu avances vers moi ici, c'est bon? Et tu recules, c'est bon? Tu avances? Après vous adaptez, si vous n'avez pas trop de place, vous allez un peu moins loin. C'est bon, en avant? En arrière. Et encore une fois, en avant, tu trottines gentiment. En arrière ici, parfait, tu restes, tout petit ciseau, regarde. Donc laissez glisser les pieds, je te montre de profil pour que tout le monde voie bien. Tout petit ciseau, regarde, droite, gauche. C'est bon, tu relâches les bras, hein, cool. Allez, encore, 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 continue. Super, on lève les genoux, on accélère un peu. Allez, montée de genoux, regarde. Souffle, chauffe les cuisses, c'est bon? Et c'est reparti vers l'avant, regarde. En avant, en arrière. En avant, en arrière, en avant et en arrière. Ça va? Encore, 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 encore. Continue. Allez, dernière. 4, 3, 2 et 1. Tu t'arrêtes. Ça va? On reprend les flexions. C'est bon pour tout le monde? Allez, ça descend, ça remonte. Fléchis, remonte. Je regarde le passage. Allez, parfait. Dernière série, on va rester sur les cuisses, regarde. Tu viens chercher sur les côtés. Voilà, donc un coup à droite et un coup à gauche. Ouais, super. Allez, tranquille. Bien, dernière, dernière. Parfait. Et tu relâches. Yes. Super. Bon, ça va toujours? Allez. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter, merci à tout le monde, merci Sarah, salut Sophie, Marie-Edith, Maëva. Bon, ça va? Donc on va avoir besoin de la chaise déjà dès le premier exercice, d'accord? Moi je vais mettre de profil, comme ça vous allez me voir. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre de profil évidemment, d'accord? Moi c'est juste pour vous montrer l'exercice, ok? On va commencer avec des petits squats, d'accord? Donc plus large que le bassin, les pointes de pied toujours vers l'extérieur légèrement, d'accord? Et on va descendre sans... Enfin, on va juste effleurer la chaise, on va pas s'asseoir dessus évidemment. Et on va remonter, donc on va descendre, remonter, classique, d'accord? Je vous montre vite fait, et puis on va enchaîner. D'accord, donc vous mettez au bord de la chaise comme ça. Et on va venir ici toucher juste le bord de la chaise. D'accord, ou du fauteuil si vous avez un fauteuil ici comme ça. Ok, donc le but c'est de bosser les cuisses. D'accord, ce que je veux c'est que les pieds soient très larges au niveau de l'ouverture. Ok, allez, c'est parti, je descends
et je remonte. Je descends et je remonte. Donc je souffle toujours quand je monte. Yes. Allez, c'est parti. Je baisse un tout petit peu que tout le monde me voit bien. Clac. Allez, encore, encore. Ça descend, regarde. Moi, je vais vraiment en bas, hein, d'accord. Je vais vraiment toucher ici et je repars en soufflant. Yes. Encore, encore, encore. Continue. Allez, dernière série, on y va. Une, deux, ça va tout le monde? Trois, allez, pousse sur tes cuisses. Quatre, encore, je vais sur le sumo. Cinq, encore. Six, dernière. Sept et huit, vous restez, regarde en bas. Alors, je suis pas assis sur la chaise, hein, regarde. Ouais. Je suis vraiment au ras de la chaise, mais sans m'asseoir dessus. Tu dois sentir les quadrilles, les cuisses qui doivent commencer à bouler. Essaye de bien te redresser, là, ça va chauffer. Ça va? On remonte? Yes, et c'est pas fini. On repart, regarde. Je descends et je remonte. Je souffle en montant, toujours. Toujours à l'effort. Inspire. Souffle. Ça va? Tout le monde avec moi? Attention, une petite dernière. Vous restez en bas? Je suis pas assis. Attention, hein. Triche pas. Tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens, tu maintiens. Allez, je veux que ça brûle les cuisses. Ça doit chauffer encore. 4, 3, 2... Et à vous relâcher. Yes, super. Bon, ça va? On détend tout ça? Bon, salut, salut à tout le monde. Alice a déjà des courbatures de... Bon, on va essayer de pas faire trop dur. Ça va pour le premier exercice? Ça a dû commencer à chauffer un petit peu. Deuxième exercice, on passe avec des squats bulgares, d'accord? Donc on est en position de fente avec un pied sur la chaise, d'accord? Donc soit le pied droit, soit le pied gauche. Et on va faire les deux jambes, évidemment. On va faire d'abord la droite et ensuite la gauche, ok? Allez, c'est parti. Donc vous mettez comme ceci, je vous montre. Vous allez mettre soit le pied droit, soit le pied gauche ici derrière, d'accord? Ensuite vous allez avancer le pied. Alors faut pas que le genou dépasse la pointe de pied ici devant. Et on va venir descendre, tu vois, comme ça, et remonter. Ok? Donc tu es sur la pointe de pied derrière, tu fléchis et tu remontes. D'accord? Alors vous choisissez la jambe que vous voulez, je m'en fiche. De toute façon, on va faire les deux jambes. D'accord? Tu plies et tu remontes. Allez, on fléchit. Et on remonte. C'est bon? Encore, encore. Allez, ça fléchit, ça souffle en montant. Ça va? Donc ça va brûler. Celui-là, il est assez efficace. Tu vois, le fait d'avoir la jambe en l'air, on va accentuer le mouvement sur le fessier et la cuisse. Ok? Encore, encore. Allez, 10 secondes. 10, si vraiment c'est trop dur. 9, tu peux le faire au sol, bien sûr. 8, sans avoir le pied en l'air. 7, allez, encore. 6, c'est bien. 5, tu dois toujours voir ta pointe de pied, tu vois. 4 quand tu descends. 3, 2, et 1, je suis en bas. D'accord? Alors je pose pas le tibia, hein, d'accord? Je suis sur la pointe de pied derrière. Tu redresses bien ton dos. S'il y a besoin, tu mets les bras pour l'équilibre. Ok? Attention, on reprend les grands mouvements. On n'a pas changé de jambe. Moi je sens les cuisses. 1, là ça doit chauffer pour toi aussi. 2, allez encore. 3, c'est bon ça? 4, allez on y va. 5, bien. 6, il en reste plus que 2, attention. 7 et 8, tu restes en bas, tu bouges plus. Ça va? Le plus bas possible que tu puisses. Maintiens, 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 maintiens. Et tu relâches. Ok. Bon, ça va? Ça brûle, hein? Ouais. Alors, ça doit brûler surtout la jambe qui est à l'arrière. C'est normal, ok? Ça va pour la première jambe? Donc, si vous avez mis la jambe gauche derrière, on mettra la jambe droite et vice versa. Et puis on se fait la deuxième jambe dans la foulée, ok? C'est bon? Allez, c'est parti, deuxième jambe, n'hésitez pas à vous hydrater, d'accord? Entre les exercices, hein, ok? Il fait chaud, faut s'hydrater, yes? Comme ça, c'est plus simple. Allez, c'est parti! Donc pareil, vous prenez de l'écart entre les deux pieds, plus t'as des grandes jambes, plus tu prends d'écart, ok? Allez, c'est reparti ici, regarde, ça fléchit. Alors, faut trouver son équilibre au début. Voilà, il y a toujours une jambe où tu es plus à l'aise que l'autre, hein, c'est normal. D'accord? Tu inspires la descente et tu souffles à la montée. Ça va tout le monde? Allez, je suis avec toi, regarde, ça plie, ça remonte. Tu dois toujours voir ta pointe de pied, tu vois, quand je descends. Essayez de ne pas vous pencher, d'accord? Essayez au contraire d'être droit, le plus droit possible, ok? C'est pas une grande flexion que tu fais à l'arrière, hein, c'est normal. Hein. Allez, encore une série, on y va. Une, deux, ça va ça? 3, moi je sens ça chauffe déjà. 4, allez on tient. 5, bien. 6, plus que 2. 7, à la 8ème je suis en bas, regarde. Je bouge pas. La jambe derrière, je sais pas si tu vois, elle est bien pliée, hein. Ouais. Celle devant également. Et attention, je reprends 8 grandes, c'est reparti. 1, allez go.
2, c'est ça. 3, encore. 4, jusqu'au bout. 5, bien. 6, plus que 2. 7 et 8, une dernière fois, on bouge plus, regarde. Ça tient, ça tient. Allez, je suis avec toi pour les dernières. 4, 3, 2 et avant, lâchez. Bon, ça va? Je regarde un petit peu. Bon, ça continue à se connecter. Ça va toujours? Bon, ça chauffe un peu. Détendez un petit peu les jambes. Vous pouvez relâcher un petit peu les jambes si vous voulez. D'accord, détendez un petit peu, tu vois, relâcher un petit peu les jambes. Ça va? On va enchaîner avec un exercice. Donc cette fois-ci, on mettra les mains sur la chaise, d'accord, ou sur le fauteuil. On va partir en grimpeur, d'accord, grimpeur montée de genoux, d'accord, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous montre et puis après, je vous dirai le top et puis on enchaîne dans la foulée, ok? Alors, prochain exercice, donc comme je disais, vous allez être les mains sur la chaise, si vous avez une chaise, si vous avez un fauteuil, alors soit vous prenez ici, soit vous prenez sur l'assise un petit peu plus bas. Plus vous allez bas, plus ça va être efficace. Évitez d'avoir le dos cambré, tu vois. Essayez de garder le dos droit et le grimpeur, c'est ça. C'est des montées de genoux pour travailler les abdos. Si ça te tire sur les épaules, tu peux également le faire sur les coudes. Tu vois, comme ça. Et t'essayes d'activer les genoux. Alors après, plus ou moins rapide, chacun va à son rythme, bien entendu. Ok? On est bon? On est parti? Allez, c'est parti, un petit grimpeur. Tout le monde en place? Tac. Donc soit bras tendus, soit sur les avant-bras ici, le dos bien droit, le ventre rentré, et on accède. Allez, c'est parti, regarde. Donc moi je vais à mon rythme, toi tu vas au tien, d'accord? Bon alors, il fait chaud, hein. Faites gaffe quand même, n'allez pas trop vite non plus. Si ça te tire sur les épaules, possibilité de descendre sur les avant-bras. Tu vois, sur les avant-bras c'est un peu plus cool, ça tire moins sur les épaules, ok? Allez, encore. Ça va les grimpeurs? Allez, serrez-moi le ventre au maximum. Faut toujours que le ventre soit bien gainé. 10 secondes, allez à fond. 9, essayez d'accélérer si tu peux. 8, encore. 7, c'est ça. 6, allez on tient. 5, 4, 3, 2, et 1, tu relâches. Parfait. Bon, ça va? On voit un petit coup? Allez, petite pause, tranquille. Bon, j'ai pas mis la musique trop fort par rapport à hier, forcément. J'ai juste mis un petit fond de musique. Si vous m'entendez mal, parlez, vous étiez pas à me le dire, que je monte un peu le micro au pire. Parce que j'ai pas de retour son, donc je m'entends pas, vous savez bien, forcément. Bon, ça va pour les deux premiers exos, trois premiers. Donc les deux premiers pour les cuisses, c'était pour les abdos. On se travaille aussi les cuisses, bien entendu. Troisième exercice, on va enchaîner sur les cuisses, d'accord? Donc là vous allez mettre le pied droit sur la chaise, d'accord? Pied droit sur la chaise et on va se faire des petites montées de genoux, d'accord? Donc montée de genoux classique. Ici, alors le fait d'être sur la chaise, tac. Ici, donc là vous mettez la jambe fléchie, tu vois. Et nous on va partir avec des montées de genoux comme ça, d'accord? Donc le but du jeu, ça va être de travailler surtout la cuisse qui va rester sur la chaise, c'est normal, d'accord? Bon, ça va pour tout le monde? Allez, moi j'enchaîne. Donc soit le pied droit, soit le pied gauche, hein, bien entendu. Vous vous doutez bien qu'on fera les deux jambes, d'accord? Allez, c'est parti, je vous laisse mettre un pied sur la chaise ici. Mettez-le au moins aux trois quarts, voire le pied entier, histoire de pas tomber, d'accord, évidemment, pas vous faire mal, ok? Allez, c'est parti. Clac, je vais remonter un tout petit poil, que tout le monde me voie bien. Là. C'est bon? Pied droit ou pied gauche? Et on va se faire des montées de genoux, regarde. Alors après, en fonction de la hauteur de ta chaise, et ta grandeur aussi de tes jambes, c'est plus ou moins facile. Forcément, plus t'es grand, plus t'es avantagé, d'accord? Plus vous avez des plus petites jambes, plus il faut monter, d'accord? Donc tu reposes la pointe de pied au sol. Alors là, vous voyez peut-être pas mon pied, et je repose bien le pied, hein, bien entendu, au sol. Le but du jeu, c'est de travailler la jambe d'appui, donc celle-là, elle reste fléchie. Si vous avez du mal, regarde, tu peux mettre la main sur la cuisse pour t'aider. Encore, 10, allez, 9, si t'as pas d'équilibre, 8, mets les bras, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, tu relâches. Bon, ça va la cuisse? Ça chauffe? On lâche? Et moi j'enchaîne direct de l'autre côté. Donc la jambe là, elle bouge pas, elle est fléchie. Et pareil pour les montées de genoux ici, ok? Allez, c'est parti, go! Tu souffles. D'accord, donc tu vois, ma jambe est bien fléchie. Voilà, donc mon pied est toujours au moins aux trois quarts sur la chaise, attention de pas vous faire mal. Et on fait des montées de genoux. Après, si tu veux aller plus vite, tu vois, bien entendu, tu peux aller beaucoup plus vite.
t'expires, d'accord? Si tu sens pas la cuisse bosser, faut la plier un petit peu plus. Tu vois, tu te penches un peu plus vers l'avant. T'as le droit de te pencher légèrement, c'est pas très grave. Tu vas pas te faire mal au dos, t'inquiète pas. Encore, encore, encore. Souffle. Allez, je suis avec toi encore 10 secondes sur cette jambe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un lâché. Bon, ça va? Ouh. Ça commence à faire chaud, hein? Ça va les cuisses? Moi je sens que ça chauffe. Tu vois chez vous? Faut de ressentir un petit peu, mais moi ça chauffe. Bon, ça va? Ça c'était pour les cuisses, on va en refaire un peu tout à l'heure. On va se faire un petit exo d'abdos, d'accord? Donc pour les abdos, on va venir s'asseoir. Alors cette fois-ci, vous avez le droit de vous asseoir sur votre chaise ou votre fauteuil. Et on va travailler avec les pieds en équilibre, d'accord? Donc le but du jeu, ça va être tenir en équilibre, d'accord? Si ça vous tire dans le dos, donc faudra bien se redresser au niveau des épaules, tu vois, faudra être bien droit. Si ça vous tire au niveau du dos, vous aurez le droit de poser les mains derrière vous, d'accord? Afin de tenir un peu plus droit, ok? Donc pour l'instant, on va commencer avec un exo statique. Et après on va essayer de se faire un petit peu dynamique. Ouais, celui-là il fait mal pour les cuisses, hein. Ouais, celui-là. Après forcément ça dépend ce que je disais de la hauteur de la chaise. Forcément plus la hauteur de chaise est haute, bah plus c'est dur, d'accord. On est bon, on est parti. Regarde, je te montre. Alors, je vais vous montrer les deux manières. Ici je vous montrerai de face et je vous montrerai de profil après. Donc là on va être vraiment assis, tu vois, tranquille, ok. Et on va lever les pieds. Donc bien entendu, c'est mieux de pas se tenir. Forcément, c'est plus dur, d'accord. Évidemment, vous n'êtes pas installé dans la chaise ou dans le fauteuil, d'accord. Vous essayez de pas toucher le dos derrière, d'accord. Ensuite, les pieds sont collés et les bras de chaque côté, ok. Le but du jeu, c'est de bosser les abdos, ok. La chaise est trop haute, bah ouais, ça dépend de la hauteur de chaise. Et après, on va bien bien serrer le ventre, d'accord. Si vous avez du mal à tenir, agrippez-vous à la chaise pour que ça soit un petit peu plus facile, ok. Bon, c'est parti. On s'assoit. Allez, c'est parti. Bon, on va s'asseoir gentiment. Clac. Donc, vous êtes assis. Je vais mettre ça à la caméra. C'est bon pour tout le monde? On va essayer de rester déjà 30 secondes, voir ce que ça donne. Donc, vous êtes assis. Mon dos ne touche pas derrière, on est d'accord. Les pieds sont relevés, c'est parti. Alors, soit les bras de chaque côté, comme ça. D'accord? Si vous avez du mal à tenir, soit vous agrippez si vous êtes derrière la chaise. Si vous avez un fauteuil comme moi, vous pouvez vous agripper au fauteuil également. D'accord? Et on maintient. Le but du jeu, c'est de rentrer les abdos au maximum. Si c'est trop facile, tu tends davantage les jambes, d'accord? C'est bon? Attention lombaire, hein, faut pas que ça tire les lombaires. Contract, contract, contract. Attention encore. Souffle, c'est presque fini. Allez, on tient, on tient, on tient. 5, 4, 3, 2, et un bon pouvoir lâcher. Bon, ça va? C'est plutôt cool, après quand on lâche, on est assis. C'est assez sympa. On enchaîne? Tac. Allez. Bon, je vais rester dans mon fauteuil. Hop, je vais mettre de profil, vous allez mieux me voir. Donc pareil, on essaye de ne pas s'allonger, hein. Bien entendu, on essaye de rester décollé, tu vois. Deuxième exercice, on va essayer de pédaler dans le vide, d'accord. Donc vous êtes assis en équilibre, alors là vous avez le droit de vous agripper derrière, d'accord. Soit tu t'agrippes derrière ou tu t'agrippes comme moi ici. Et on va venir pédaler dans le vide, d'accord. Alors ça va chauffer les cuisses un petit peu. Faudra bien se redresser au niveau du dos et bien rentrer le ventre, d'accord. Au pire, si vous avez une assise dans le dos, d'accord, bon, si vous êtes une chaise, vous avez une assise. Si vraiment c'est trop dur, vous pouvez vous mettre dans le fauteuil, pas dans le fond, d'accord. Ça sera un peu plus facile. On est bon? Allez, c'est parti, let's go. Donc moi je le fais sans les mains, d'accord. Si vous avez plus de mal à tenir, alors c'est pas simple, hein, je sais bien, vous agrippez, tu vois, tu t'agrippes, c'est un peu plus facile. Alors ça va chauffer les cuisses, c'est normal, d'accord. Il faut essayer de me contracter le ventre au maximum. Ça va tout le monde? Voilà, super. Encore, encore. Bon, les mains qui passent sont en train de me regarder, je demande ce que je fais un peu, je pense. C'est un peu bizarre avec sur cette terrasse en train de pédaler. Encore, encore, encore. Allez, on continue. Ça va tout le monde? Ça se chauffe? Moi je les sens. Si c'est trop dur, tu t'assois, au pire tu t'allonges, tu vois. Tu prends le dos ici à l'assise. Allez, attention, 5, 4, là je les sens moi les cuisses, hein. 3, 2, tends bien les jambes. Et 1, tu relâches. Yes. Bon, ça va tout le monde? On se refait un peu d'abdos. Allez. Première séance d'abdos. Première série du moins. On va refaire du gainage, d'accord. Donc moi j'adore le gainage, bien entendu. Sur une chaise de bord. Ah oui, c'est une chaise de bord, c'est plus compliqué, ouais. J'imagine.
On va se faire du gainage sur les avant-bras, sur les coudes, d'accord? On va faire plusieurs séries. Je vais vous montrer des façons plus faciles et des façons plus difficiles de faire le gainage avec une chaise, d'accord? Alors la plus facile, ça va être d'avoir plutôt les coudes ici sur la chaise, d'accord? La plus dure, ça sera à l'inverse, de mettre les pieds sur la chaise. Je vais vous faire les deux, d'accord? Après, vous pouvez essayer, si ça le fait pas, si ça te tire dans le bas du dos, n'insiste pas, d'accord? Faut pas que ça tire dans le bas du dos, évidemment. Si c'est trop dur, et bah tu restes les bras sur la chaise. Donc sur la chaise, les bras, normalement, ça va, les avant-bras. Dans l'autre sens, avec les pieds, c'est un peu plus chaud, ok? Allez, c'est parti, première série de 30 secondes. Hop, donc là vous allez mettre, hop, je vais enlever ça, vous allez mettre les coudes, d'accord, ici donc sur la chaise, ok, vous serrez soit les pieds, soit vous les ouvrez un petit peu, et vous maintenez la position dos droit. Allez, c'est parti, le chrono est lancé, ok, donc pas de dos cambré, hein, évidemment, pas de fesses comme ça, hein. On est bien droit, ok, allez, on maintient le ventre gainé, le ventre est rentré au maximum. Bon, normalement, dans cette position-là, tout le monde est capable de tenir sans aucun problème. D'accord? Attention, on maintient encore. Souffle. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Tu ramènes tes jambes. Yes, super. Deuxième série. C'est bon? On va se mettre sur un bras, sur un côté. D'accord? Donc, celui-là, on l'a déjà fait, mais au sol. Là, vous allez me le faire sur la chaise, d'accord? Vous avez soit les deux pieds serrés, soit un pied devant l'autre pour que ça soit plus facile. Et on va maintenir 30 secondes, d'accord? Allez, c'est parti. 3, 2 et 1, je bouge plus. Alors, soit le bras étendu, tu vois, soit plutôt la main sur la hanche, d'accord? C'est comme tu préfères. Moi, je préfère voir les pieds, tu vois, décroisés, d'accord? Là, je trouve que c'est plus stable. Alors là, vous voyez pas parce que forcément, il y a le rebord. Mais je suis sur mon avant-bras et mon coude, d'accord? Mon avant-bras et mon coude ici. Allez, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Bien entendu, on fera le deuxième côté dans la foulée. Hein. Ça va tout le monde? Allez, je regarde le temps au passage. Ça va encore? 5, 4, on serre le ventre. Hein. 3, 2, et 1, vous changez de côté. Hop là, regarde. Je passe de l'autre côté pour 30 secondes. C'est bon? Alors pareil. Pareil, alors je vais arrêter si vous avez pas moi. Pareil, vous serrez bien le ventre de l'autre côté, d'accord? Vous restez sur le coude, sur l'avant-bras ici, et vous me gainez tout, vous me rentrez le ventre. Soit les pieds collés, soit les pieds, tu vois, décroisés l'un à côté de l'autre, ok? Allez, on bouge pas, moi je m'en remets du même côté, d'accord, pour vous voir. Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. Encore, 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 encore. 5, 4, 3, 2, et à vous lâcher. Super. Bon, ça va? On va passer aux choses sérieuses. Ouais, ça va un peu moins rigoler. Les pieds, cette fois-ci sur la chaise. Les avant-bras au sol, d'accord? Un peu plus chaud, donc si vous avez un tapis, à la rigueur, vous pouvez mettre le tapis pour mettre les bras. Ça sera plus agréable, ok? Alors, je te montre ce que ça donne. Vous allez vous mettre comme ça. Hop, vous pouvez pouvoir un coup, hein, si vous voulez, au passage, bien sûr. Alors, si jamais ça vous fait mal au dos, bien entendu, vous forcez pas, vous remettez les bras sur le siège, d'accord? Donc vous êtes dans cette position-là. C'est ça. Et on va venir mettre les pieds dessus, d'accord? Vous avez les avant-bras, donc il faudra lever, alors pas trop bas, tu vois, bien entendu. Il faudra lever les fesses un peu plus haut que d'habitude, d'accord? Et on va maintenir comme ça, pareil, pendant 30 secondes sans bouger, ok? Tout le monde est ok? On essaye ça? Allez, on se met en position, attention, départ dans 5. 4, 3, 2, et 1, c'est parti, regarde. Donc je suis sur mes avant-bras. Alors vous avez vu, je dois lever les fesses plus haut que d'habitude, d'accord? Voilà, quitte à soit un peu plus haute comme ça, pas trop bas évidemment, pas comme ça. Hein. Normalement, elles doivent être pile poil, tu vois, bien droite. Je contracte mes fessiers, je rentre mon ventre. Allez, tu bouges pas. Si ça te tire le dos, tu poses et tu te remets à l'inverse comme tout à l'heure. Ça va? Allez, ça c'est un peu plus chaud. Encore, 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 encore. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Tu relâches. Bon, ça va? Ça c'est un peu plus dur. Bon, salut à tout le monde. Salut Mathieu, j'avais pas vu. Maxime, merci pour mon anniversaire, c'est gentil. Ça va? Ça c'est un peu plus dur avec les pieds à l'inverse, hein, c'est un peu plus dur à faire. Ça va toujours? On continue?
On va faire remonter un petit peu le cardio, d'accord? On va se faire des ciseaux. Alors, deux possibilités, soit vous les faites sur la chaise, d'accord? Si c'est trop haut pour vous, d'accord? N'hésitez pas, si c'est trop haut pour vous, n'hésitez pas à les faire au sol, je cherchais. Ok? C'est bon? On est bon pour tout le monde? Allez! Donc, clac, clac. Là. Donc, alors moi, c'est pas forcément très très haut, donc ça va aller, tu vois, ici. Si toi, c'est trop haut, au pire, tu les fais au sol. Comme ça, d'accord? Alors, faut pas aller très vite, vous pouvez pas aller vite, super vite, comme on fait d'habitude, les ciseaux à l'échauffement. Bien entendu, vu que de la hauteur, tu vas un peu moins vite, d'accord? C'est bon pour tout le monde? Allez, let's go. Hop. Tout le monde est bon? Allez, c'est parti tous ensemble, attention. 5, 4, 3, 2 et 1, go. Donc pied droit, regarde, pied gauche. Donc tu vois, je vais pas forcément très vite, d'accord? Si c'est trop haut pour vous, bien entendu, vous pouvez très bien le faire au sol. Tu vois, alors, si tu le fais au sol, par contre là, tu peux le faire un petit peu plus rapide si tu veux, d'accord? Tu souffles. C'est bon pour tout le monde, attention de ne pas glisser, de ne pas vous faire mal. Surtout bien. Encore? Continue. Ça va ça? Allez, continue, continue. Encore, 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 encore. Continue, tu vois, je vais pas très très vite. Hein. Je monte, je descends. Comme des ciseaux. Encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un bon lâcher. Super. Bon, ça va? Allez, on va reprendre les tapis. Bon, super. Pop. C'est bon? Bon, tout le monde est toujours là. Ça, c'était un peu plus chaud. Je vous laisse vous hydrater un petit peu. On va garder encore la chaise. Le prochain exercice va être pour les fessiers, d'accord? Donc, on pourra le faire avec ou sans la chaise. C'est vous qui allez choisir. Et on aura besoin du tapis parce qu'on va se mettre sur le dos. On va s'allonger sur le dos, ok? Bon, j'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Moi, ça me permet de voir un petit peu si ça va, si ça va pas, si c'est dur, si c'est pas trop dur. D'accord, et puis comme ça, moi, ça permet d'avoir une petite interaction aussi avec vous, parce que forcément, je ne vous vois pas, ok? Allez, c'est parti, on va prendre le tapis, et puis on va s'allonger, yes? Hop. Donc le tapis, vous allez me le mettre ici dans le prolongement de la chaise, d'accord? 1, 2, hop, voilà. Donc vous allez t'allonger ici, tac, c'est bon tout le monde? Donc pareil, en fonction de la hauteur, d'accord? Parce que là, forcément, plus ça va être haut, plus ça va être compliqué, d'accord? Si vraiment la chaise est trop haute, vous ne le faites pas sur la chaise, vous le faites au sol. Vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va faire. Donc, on va être allongé comme ça. Je ne sais pas si vous allez me voir, je vais baisser un poil. Que tout le monde me voie bien. Clac, voilà. Donc, vous allez avoir les pieds ici dessus, comme ceci. Vous allez vous avancer au maximum près de la chaise, d'accord? Le problème, c'est que si vous êtes loin, c'est encore plus dur. Donc tu t'approches au maximum, d'accord? Vous allez au moins avoir les talons qui vont poser, d'accord? Ensuite, vous allez vous allonger, vous allez poser la tête et les mains de chaque côté, d'accord? Donc tu as les mains posées, la tête posée. Et le but du jeu pour bosser les fesses, ça va être de les relever. Donc forcément, là, vous avez de la hauteur, c'est beaucoup plus compliqué qu'au sol. Si vraiment là, c'est trop haut pour vous, hop, vous poussez et vous me le faites au sol. Que t'empêche de faire comme ça au sol. D'accord? C'est bon? Tout le monde ok? Je vais juste faire un petit check-up. C'est bon, nickel, il fait chaud, ça chauffe. Tout le monde a chaud en effet. Bon, c'est cool. On est bon pour les fessiers, yes? Avec ou sans chaise, c'est vous qui voyez, c'est comme vous le sentez. Allez, c'est parti, je me mets en position et on est parti pour la première série. Bien, allez, c'est parti, regarde. Donc si c'est trop, n'hésitez pas à le faire au sol. Tac. T'as les pieds dessus, tu t'approches au maximum comme moi. Et on va venir relever les fessiers, regarde. Voilà, alors forcément, plus vous êtes loin, je suis peut-être un peu loin, plus vous êtes loin, plus c'est compliqué de lever. Alors ça sert à rien de reposer les fesses au sol. D'accord? Je contracte mes fesses en montant, d'accord? Donc là, j'expire, je serre mon ventre, je contracte mes fessiers. D'accord? Donc tu vas le sentir dans les fessiers normalement assez rapidement. Ça bosse aussi, tu vas le sentir dans l'arrière des cuisses, c'est normal. C'est bon? Allez, je monte, je descends. Les mains, vous les laissez poser. Normalement, tu ne dois pas t'aider des mains, d'accord? Elles sont juste posées.
Allez, tu souffles, tu redescends, regarde. Tu souffles, tu descends. Bon, ça va, c'est plutôt cool, hein. Allez, ça c'est le fait encore. Montez, descends toujours. Une, à toi, vas-y. Deux, ça va toujours. Trois, montez, descendez sans poser, hein. Quatre, allez encore. 5, si c'est trop chaud, sur la chaise. 6, tu le fais au sol, les pieds, d'accord. 7, attention, la 8ème, on reste en haut. On bouge plus. Hop, je reviens avec toi, regarde. Donc, t'as les fesses en l'air, regarde, comme ceci. D'accord. Donc là, mon ventre est gainé. Les fesses sont rentrées et je ne bouge pas. Ça va toujours. Regarde, je complique. Tout le monde est prêt. Attention, vous mettez les mains de chaque côté pour vous tenir. On va lever la jambe droite et on ne bouge pas. Ouais. Mon ventre est toujours rentré, hein. Aidez-vous des mains pour la stabilité, ça va être plus stable. Ça tient? Ça doit chauffer la jambe qui reste sur le HS, plus que celle qui est tendue, c'est normal. Attention, on change de jambe, regarde, je pose, je lève une jambe. Ouais, ça le fait? Je rentre bien le ventre. Allez, tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu reposes, les deux pieds, c'est reparti. Une, deux, allez, dernière série. Trois, ça monte, ça descend. 4, ça va toujours? 5, montez, descend, allez go. 6, je suis avec toi, vas-y. 7 et 8, tu restes en haut. Ok. Donc t'as les fesses en l'air. On se refait comme tout à l'heure. Tu lèves la jambe droite. Allez, vas-y, décolle ta jambe et tu maintiens la position. Allez, vous ne bougez pas. Allez, c'est chaud, c'est chaud, ça doit chauffer, c'est normal. Vous changez de jambe. Vous posez le pied droit, vous levez la jambe gauche, regarde. Ça le fait? Contracte, on contracte. Clac, clac, clac. Bien serré les abdos, bien serré, bien serré, bien serré. Allez, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. 5, 4, 3, 2, et 1, vous lâchez. Super. Vous pouvez ramener les genoux vers vous si vous voulez, pour détendre un petit peu. Bon, ça va, ça va. Alors, en fonction de la hauteur, vous avez vu, ça a dû chauffer plus ou moins fort. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait au sol. Alors au sol, évidemment, on a plus l'habitude de le faire au sol quand on est en salle. Là sur la chaise, c'est assez agréable parce que ça chauffe un peu plus fort, un peu plus vite normalement, un peu plus agréable. Bon, c'est une façon de parler. On est reparti. Ça c'était pour les fessiers, yes. On se refait un petit peu d'abdos, ok. On va repartir. On vous est pas obligé d'utiliser la chaise. Après, ça dépend toujours pareil de la hauteur. On va essayer de pédaler dans le vide. Enfin, pédaler, c'est pas pédaler, c'est pas ça, c'est n'importe quoi ce que je dis. C'est d'allonger les jambes. D'accord, on pédale pas, on commence sur un vélo. Je vous montre. Donc, on va s'allonger comme ceci. D'accord. Donc, vous êtes allongé et le but du jeu, ça va être d'allonger la jambe ici à hauteur de la chaise. D'accord. Donc, tu vas poser le talon sur la chaise. Ici, et tu ramènes, donc sans relâcher, hein, d'accord, vous enchaînez. La tête est posée, d'accord, et les mains de chaque côté. Si vous sentez le dos cambré, passez soit les mains sous les fessiers, d'accord, ou alors vous relevez la tête, comme ceci. Alors, si vous relevez la tête, vous regardez vers le plafond ou vers le ciel, ok. Allez, moi, je vais partir, c'est quand tu veux, c'est bon. Alors, si c'est trop facile de mettre les pieds sur la chaise, vous pouvez très bien enlever la chaise et le faire plus simple, ouais. Vite fait, au sol, plus simple. C'est bon. Donc si c'est trop facile de mettre les jambes sur la chaise, ici vous descendez plus bas, vous le faites sans la chaise, hein, d'accord. Voilà, là c'est un petit peu gadget la chaise. Allez, c'est parti, moi j'utilise ce qu'on l'a forcément sous le coude. Allez, vous allongez, vous ramenez le genou droit, vous allongez, vous ramenez la jambe gauche. C'est bon. Voilà, donc chacun va à son rythme. Si vous sentez le dos cambré, passez les mains sous les fessiers, d'accord. Ça permet de ne pas cambrer au niveau du dos, d'accord. Faut toujours que le dos soit plaqué. Donc bien entendu, mon rond ventre est bien gainé et bien rentré. J'expire ici un coup sur deux, ok. Allez, encore. Oh, qu'est-ce qui se passe, c'est plus de musique. Attention, 10 secondes encore. 10, 9, 8, 7, ça va tout le monde. 6, si tu préfères, tu peux relever les épaules aussi, hein. 7 encore, 6, je vais compter, 5, 4, 3, 2, et 1, vous reposez. Très bien. Bon, ça va? C'est cool ça. On est bon? On continue? On va se refaire un peu de fessier. Donc là, on aura juste besoin du tapis. Problème de connexion. Ah, merde. Bah moi, ça a l'air de plutôt bien marcher à la maison. J'ai mon téléphone à côté, je vais regarder. Ouais, non, ça passe bien chez moi. Ça doit venir de chez toi, je pense, Cindy. Toc, toc, toc.
Dites-moi si chez vous ça a du mal à passer, mais chez moi ça passe plutôt bien, je pense. On va enchaîner ici avec des fessiers, parce que je disais des fessiers. On va s'allonger sur le côté, d'accord? Donc on va le juste lever et monter, enfin monter et descendre la jambe tout simple, d'accord? Pour travailler les hanches et les fessiers, yes? Allez, c'est parti. Donc on va être allongé comme ça sur le côté, je te montre. Donc là, la chaise, vous n'en avez pas besoin. Hop, on pousse un peu. Là, un peu de place. Voilà. Donc, vous allez vous allonger sur le côté comme ceci, d'accord? Vous ramenez le genou du dessous, d'accord? Vous allongez ici le bras, comme ça vous pouvez poser la tête, ça ne tire pas la nuque. Ensuite, la jambe du dessus, allez ramener. Alors, normalement, vous avez deux cuisses qui se touchent par l'aile à l'autre. Et on va venir monter et descendre la jambe comme ceci, d'accord? Alors, moi, ce que je fais aussi, c'est que j'oriente la pointe de pied vers le sol pour accentuer le mouvement sur la hanche. C'est hyper important, ok? On est bon? Allez, c'est parti tous ensemble. Donc, ça ne sert à rien de monter comme ça, faire des grands mouvements. Aucun intérêt. Tu montes à mi-hauteur, d'accord? Voilà, posez la tête pour pas que ça tire sur la nuque, ok? Allez, à vous, c'est parti. Donc jambe droite ou jambe gauche, on y va. Hein. C'est bon? Ça passe bien chez vous, ouais? Ça va ici à Fougères, ouais, bah, ça dépend des connexions. Des fois, c'est vrai que c'est pas forcément très très fluide tout le temps. Hein. C'est bon? Allez, toujours la jambe droite ou la jambe gauche qui monte et qui descend. Une, encore. Deux, c'est bon toujours? Trois, encore. Quatre, c'est bien ça, encore. Cinq, regarde, tranquille. 6, bien, 7 et 8, je vous reste, regarde, je vais faire des ronds, vous allez me faire des cercles. Alors ça sert à rien de faire des grands ronds ou des grands cercles, tu vois, aucun intérêt. Vous faites du tout petit, voilà, c'est beaucoup plus efficace et ça fait beaucoup plus mal aux fessiers et à la hanche. Allez, attention, là vous devez les sentir, hein. Ça chauffe, on reprend les grandes. 1, 2, ok, 3, je veux pas la jambe ici, 4, hein. Je la veux vraiment devant, tu vois, 5, encore. 6, toujours la pointe de pied vers le sol. 7, attention, moi je vais terminer avec des petits à nouveau, regarde. Ça tourne. Ouais, tu l'as? Allez, là tu dois le sentir, là ça doit commencer à chauffer dans ton fessier, ça peut faire des petites crampes. Ouais, c'est normal. Hein. Allez, on tient, vous l'avez. 5, 4, 3, 2, et 1, vous ramenez les genoux vers vous. Yes. Vous pouvez poser s'il vous plaît. Ramenez le genou. Si ça fait des crampes, tapote un peu, ça va passer. Bon, bah c'est cool. On pivote. Allez. Évidemment, il y a le deuxième côté à faire. Hein. Je vous laisse vous tourner dans l'autre sens. Clac. Vous ramenez les deux genoux vers vous. Jambes tendues. Et on va venir monter et descendre. Oh, mince. J'avais pas coupé mon téléphone. Ouais. Allez, c'est parti. Je monte, je descends. Je souffle à la montée. Toujours. C'est bon. Donc, je monte, je descends. Je monte, je descends. Je monte. C'est bon? Allez, encore, si je coupe mon téléphone, ça peut marcher. Allez, encore. Expirez quand vous montez, toujours. Toujours la pointe de pied vers le bas, ok? Allez, encore. C'est bon, tout le monde? Allez, dernière série comme ça. Une, c'est ça. Deux, allez, encore. Trois, bien. Quatre, encore. Cinq, super. Six, plus que deux. Sept, et la huitième, regarde, ça tourne. D'accord? Tu tournes dans le sens que tu as envie, d'accord? Peu importe. Soit dans la droite, soit vers la gauche, ça change pas grand chose. Ça sert à rien de faire des grands cercles. Tout petit, regarde, c'est cool. Vous pouvez poser la tête, moi c'est pour vous regarder, on peut poser la tête. On reprend les grandes. Une, allez, on y va. Deux, ouais. Trois, ça monte, ça descend, regarde. Quatre, pointe de pied vers le bas. Cinq, allez, dernière. Six, on s'accroche, ok? Sept, et huit, regarde, ça tourne. Yes! Allez, go. Tourne la jambe. Lâchez pas, hein, ça sert à rien de faire des grands cercles. Allez, jusqu'au bout. 4, bien. 3, dernière. 2, et 1, tu ramènes. Super, relâche. Bon, les fesses, ça fait toujours un peu mal à les fessiers. Vous pouvez relâcher un peu, détendre, si vous voulez. Bon, je vous laisse boire un coup. Hop. Allez. Bon, je viens vers vous. Ah, ça fait un peu mal à les fesses, hein. Les fessiers toujours un peu. Bon, ça va? On va se finir avec un petit peu d'abdos, yes? Allez, on va se finir avec un petit peu d'abdos, on va faire un peu d'abdos. Je vous laisse boire un coup si vous voulez, hydratez-vous. C'est important quand il fait chaud comme ça, en plus qu'on fait du sport. Bon, j'espère que ça va toujours. Et puis on va se... ça se passe bien, bon, c'est cool. Émilie, ça fait mal, yes, bon. C'est que ça bosse, c'est bien. Allez, un petit exercice
pouces pour les abdos encore. Et puis après, on va se tirer hein, gentiment. Ok? Les petits cercles, ça tue. Ouais, c'est les petits ronds. Ouais, souvent, ça se fait mal. Ça, hein, ça pique un peu la hanche, le fessier. On se met sur le dos. Ok, pour tout le monde? Allez, sur le dos. Et puis, on va se rebosser un peu les abdos encore. Yes? C'est parti. Hop. Tac, tac, tac. Bon, cool. C'est bon? Allez, moi je me remets en position. On est bon? Maintenant, je vais dans l'autre sens. J'aurai pas le soleil comme ça. Hop. Voilà, je serai mieux comme ça. Donc vous allez venir vous allonger ici. D'accord? Vous allez poser la tête, hein, bien entendu. Donc là, vous n'avez plus besoin de la chaise. On n'a plus besoin que du tapis hein, ici maintenant. D'accord? Nouvel exercice ici. Alors, cet exercice-là, on va travailler en position statique. D'accord? Donc c'est-à-dire que les jambes vont rester, tu vois, angle droit comme ceci. D'accord? La tête à soit relevée, soit plutôt posée si vous pouvez débuter, d'accord? Ensuite, je vais vous demander de mettre les mains sur les cuisses ou sur les genoux, d'accord? Ensuite, vous allez pousser le plus fort possible quand je vais dire top sur les cuisses. Et en même temps, vous allez ramener les genoux vers vous, d'accord? Bon, faut vraiment faire les deux mouvements en même temps. Faut pousser sur les cuisses et ramener les genoux à l'inverse, d'accord? Donc forcément, si tu pousses et si tu ramènes, ça fait effet contraire. Et normalement, vous devez être tout rouge et ça doit trembler au niveau des abdos. D'accord? Ouais, ça doit se chauffer, ça doit tirer au niveau des abdos. Donc c'est un travail statique, faut vraiment pousser très très fort, ramener les genoux. Si vous sentez rien du tout, si vous êtes à deux, dites à l'autre personne de vous pousser sur les pieds. D'accord? Vous allez sentir la différence normalement si vous sentez rien. Ok? On fait des petites séries. On part pour des séries de 10 secondes. On va faire 3 séries de 10 secondes. Donc 10 secondes c'est rien. Donc faut vraiment pousser et ramener très très fort pour le sentir. Yes? Allez, c'est parti. Hop, c'est bon tout le monde? On se met sur le dos? Clac. Jambes à 90 degrés, d'accord? La tête soit posée, soit plutôt relevée pour se donner un peu de force, comme vous voulez, faut bien tenir la nuque, hein, par contre, et vous poussez pendant 10 secondes. On est bon? Allez, 3, 2, et 1, c'est parti, regarde, pousse, ramène en même temps. Allez, 10, 9, tu dois trembler, 8, moi je sens que ça tremble, 7, allez on y va, 6, 5, si tu veux plus de force, 4, décolle la tête, 3, 2, et 1, lâchez, ok? Ça va, si vous sentez pas que ça tire, poussez plus fort et ramenez encore plus fort le genou vers vous, d'accord? Deuxième série, 10 secondes. Allez, j'enchaîne direct, c'est reparti. Top, 10 secondes. 10, 9, allez, fort. 8, faut que ça force. 7, allez, on y va. 6, poussez, ramenez en même temps. 5, allez, go. 4, 3, 2, et imposez les pieds. Yes, ça va? Vous devez toujours par contre garder le dos bien à plat, hein, d'accord? Ça doit pas cambrer au niveau du dos, ça doit pas faire une cambrure, ok? Troisième série, toujours de 10 secondes, d'accord? Allez, c'est reparti, on pousse, on ramène fort. C'est bon? Allez, tous ensemble, c'est parti. 10 secondes, on y va. Top! 10, 9, 8, soit la tête posée, 7, soit décollée, comme tu veux. 6, attention à ta nuque si tu décolles. 5, allez, 4, 3, 2, et 1, vous lâchez. Super. Bon, ça va les abdos? Ça doit commencer à bosser. On va rester allongé. Prochain exercice, moi je le fais assez régulièrement parce qu'il est très très efficace. Je sais que vous aimez pas trop cet exercice-là en général. On va garder les jambes à la verticale, d'accord? Les pieds serrés et c'est celui où on décolle, d'accord? Les fessiers de ses mains, d'accord? Donc ça, ça permet de bosser la partie basse des abdos, d'accord? Vraiment la partie basse des abdos. Donc ça, ça fait mal, d'accord? Ça pique, ça fait mal, c'est normal, ok? Vous devez jamais sentir le dos, donc faites attention de ne pas balancer les jambes dans tous les sens, ni de monter trop. Tu dois sentir, alors ça doit décoller un tout petit peu, tu vois, de quelques centimètres seulement, d'accord? Je te montre vite fait pour ceux qui connaissent pas. On est comme ça, donc la tête posée, bien sûr, et on va faire des tout petits mouvements. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, mes fesses décollent légèrement de mes mains, mais très léger. Et t'as vu, mes jambes, elles bougent pas, d'accord? Ou quasiment pas. Donc, les jambes, elles sont soit tendues, si vous arrivez à les tendre entièrement, soit un petit peu fléchies comme moi, sinon. Ok? On est bon, tout le monde? Allez, je lance le chrono, c'est parti. 3, 2, et 1, c'est parti. Donc, je veux les jambes droites et des tout petits, regarde, comme mes bras. Clac, ça monte, ça descend. Clac, ça monte, ça descend, comme ça. Ok? Vous devez pas avoir les jambes qui balancent. Si vous voyez que les jambes balancent, d'accord? C'est pas normal, d'accord? Ne cherchez pas à monter trop, ok? C'est juste des tout petits mouvements. Le fait de monter plus haut, ça risque de tirer dans le dos, d'accord? C'est vraiment des tout petits que tu décolles, ok? Allez, tu dois le sentir dans les abdos. Ça va toujours? Encore, encore, encore. Allez, ça se termine. On tient le coup. C'est les 10 dernières secondes. Après, c'est terminé. On y est. Allez, allez, encore. 10, 9, sans les abdos bosser. 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, et 1, vous relâchez. Super. Bon, ça va toujours? Eh ben, c'est parfait ça. Bon, ça va pour ce soir? Allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça a été pour ce nouveau cours. Bon, on va s'étirer un petit peu, hein, bien entendu. Je change de musique vite fait. Et puis, on va s'étirer tranquille. Okay. Bon, on s'étire un petit peu. Les cuisses, les fessiers surtout, les abdos un petit peu. Et puis après, on va faire un petit point. Je vais vous présenter un petit peu le programme de la semaine prochaine en gardant un peu de surprise quand même. Et puis bah après, voilà. Ça sera là. Demain, il y aura un petit tabata. Et puis après, ça sera le week-end. Ok. C'est bon, on se met sur le dos. On va rester sur le dos. Allez, petit étirement d'abord. C'est bon? Vous allez poser les pieds à plat comme ceci, d'accord? Vous allez croiser, alors celui-là vous connaissez maintenant, vous allez croiser la cheville droite sur le genou gauche, d'accord? Ou inverse. Vous attrapez la jambe au sol, donc soit la cuisse, soit devant au niveau du tibia, et vous posez bien la tête, d'accord? Tu dois le sentir ici dans ton fessier, d'accord? C'est normal, dans le fessier qui est croisé. Donc après, tu attrapes avec une ou deux mains, tu peux attraper avec une main, c'est pas très grave. Voilà, tu dois le sentir là, ça doit chauffer, ça doit tirer. Oh, ça pète. Bon, on peut attaquer. Allez, on change de jambe. Hop, l'autre côté. C'est bon? Tu attrapes? Voilà, tu tires. Bon, ça va, ça a dû chauffer un peu hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, même pour les autres. Hein, ça a dû bosser, c'est normal. Ça chauffe toujours un peu les fessiers, surtout les cuisses, les abdos aussi. Hein. Bon, on reste allongé, on décroise. Hop là, regarde. Tu tends les deux jambes, tu attrapes tes cuisses. T'attrapes tes mollets, t'attrapes tes pointes de pied, tu sais bien en fonction de ta souplesse. Le bas du dos reste collé, on garde le dos seul bien sûr. Et vous ramenez vers vous, tu attires dans les cuisses. Yes. On relâche. On garde les genoux poitrine. Et moi je fais des petits ronds, regarde, pour détendre mon dos. Tout doucement. Ça va? Bien. On va relâcher, on va basculer sur le côté. Hop. Vous allez vous remettre sur les genoux. On va étirer le dos vers l'avant. Vous tournez les bras le plus loin possible. Posez la tête au sol. Vous pouvez poser la tête ici. On déroule. Très bien. Vous pouvez vous redresser un petit peu si vous voulez ou vous restez assis sur les talons, on va étirer sur les côtés. Donc soit assis et posez une main, soit un peu plus droite et tire sur comme ça. Ça va, tu changes? Hop, et tire. Bon, je pense que ça a été... Bon, il faisait chaud encore ça aujourd'hui. Bon, c'était un peu moins chaud que hier avec la Zumba, pour ceux qui ont suivi la Zumba en direct. Là ça va, c'est un petit peu plus cool, là, il y a moins de sauts hein, sur les cours de biceps de fessiers, c'est un peu plus light. Bon, c'est bien ça. Ça va? On étire vers le haut, vers le ciel, vers le plafond. Et tire tes abdos, ton dos. Et souffle. Là. Encore une fois, inspire. Et tire. Et souffle. Yes, ça va? On détend les épaules. Pour terminer, regarde, on va enrouler tout doucement la nuque. Tout doucement. Alors, faut pas aller trop en arrière, ça va se faire mal à la nuque. Hein. Dans l'autre sens. Et vous allez relâcher. Super. Bravo à vous et merci de m'avoir suivi. Super. Allez, je vais récupérer l'ordi. Je vais mettre à long comme ça on va pouvoir faire un petit checkpoint parce que ouais, l'ordi commence à chauffer un petit peu. Il était en plein soleil, en plein cagnard. Il commence à chauffer un petit peu. Bon, alors. Clac clac. C'est bon tout le monde? Ah non, je suis en plein soleil là. C'était dur dur, certain. Ouais, je serais tenu comme ça peut-être. Hop, je m'assois là.
Bien. Alors que ça a été pour tout le monde. Bon apéro. Ouais, bah oui, on va prendre l'apéro quand même pour mon anniversaire. Donc demain, ce que je disais, demain, ce qu'on fera, demain, on fera un tabata. Oui, demain, quand même. Je vous parlais de demain. Demain, on fera un petit cours de tabata. C'est pour petite histoire. Demain, on fera un petit cours de tabata. Donc là, ça sera pas en direct, hein, ça sera une vidéo que je vais vous poster, donc vous pourrez suivre évidemment. Donc ça, c'est pour demain. Ensuite, la semaine prochaine, qui m'a demandé de faire un cours de strong. Donc strong by Zumba, si vous connaissez pas, vous pouvez la regarder sur YouTube si vous voulez. Donc c'est pas de la Zumba, je peux enlever le micro. C'est pas du tout de la Zumba. Du coup, ça a rien à voir. C'est assez cardio. Vous avez bossé le cardio pas mal. Il y a beaucoup de passages au sol. Il y a des abdos. Il y a des C'est assez sympa et c'est assez cardio. Donc on aura ça la semaine prochaine. Et on aura également, on va refaire un cours de cross-training. Donc on aura bien besoin d'une chaise la semaine prochaine. Le training, d'accord? Donc là, le cross-training, on fera pas que des cuisses, des abdos et des fessiers. On va rajouter des bras aussi, d'accord? Et des travails cardio. Salut, merci Virginie. Merci Valérie, Véro pour mon anniversaire, c'est sympa. Donc voilà, donc déjà, vous savez qu'il y aura le cross, il y aura le strong la semaine prochaine. Je vous laisse encore des petites surprises, comme ça vous aurez, il y aura encore un petit challenge à faire la semaine prochaine également. Je vous dis pas lequel, ça sera la surprise. En tout cas, merci de me suivre aussi nombreux sur les réseaux, sur les directs, c'est cool, ça fait plaisir de vous voir tous aussi connectés à me suivre. Voilà, donc la semaine prochaine, on fera au moins deux, voire trois directs comme cette semaine. Et puis on continuera, je continue à faire mes vidéos à côté en plus, voilà. On a eu bien chaud, hein. Moi aussi j'ai eu chaud, hein. C'est vrai que là aujourd'hui ça bat les records, mais c'est cool, ça fait du bien, hein. Un peu de soleil, ça fait du bien au moral. Merci en tout cas, merci pour mon anniversaire, c'était pas. Et puis vous allez pouvoir trinquer aussi à mon anniversaire, moi je vais aller trinquer aussi à mon anniversaire. Et puis on se dit donc demain pour le petit tabata, donc je posterai le tabata dans la comment dans la matinée comme d'hab. Et puis ensuite on enchaînera la semaine prochaine avec des nouveaux directs et puis des nouveaux cours. Voilà. Et ben j'espère que ça a été. Profitez bien de ce week-end. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bon courage à tout le monde, bon courage à ceux qui bossent, bon courage à ceux qui sont en confinement. Profitez bien, profitez bien, profitez bien. Et puis toujours aussi bien, bon c'est cool. Merci en tout cas pour vos petits encouragements, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit donc à la semaine prochaine. Et puis je vous embrasse tous et voilà. Et puis bah restez chez vous, hein, surtout évitez de sortir au maximum, d'accord? C'est super important, vous savez bien. Allez, merci à tous et encore merci pour mon anniversaire. Salut!